pas. Tu es le chômage, pas l'emploi. Tu es le chômage, pas l'emploi. On peut dire que la situation est grave. Ah ouais, ça c'est sûr, je vais pas dire le contraire, la situation est alarmante. Que le travail en France est trop cher, il paraît. Il y a pas d'argent. Le CAC 40 de la finance, il n'y a jamais autant d'argent. On ne vous cache pas que la situation actuelle est alarmante. Alors je me suis dit qu'au lieu d'aider les gens à garder leur emploi, il fallait surtout les aider à en trouver un. Et pour ça, j'ai monté un collectif citoyen. On va se donner les moyens pour que 6 personnes de plus trouvent du travail. Et ça, dans les plus brefs délais. Bienvenue, c'est ici que nous allons tout mettre en œuvre pour vous aider. Concrètement, c'est quoi le programme? Bon, on va faire quelque chose là. Fatih, tu disais tout à l'heure, les aider à faire leur CV. Oui, il faut commencer par le début. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on voit leur CV partout. La photo, le nom, les compétences. Je suis telle personne, je fais tel métier, contactez-moi. Simple, efficace. Vous avez vu mon CV dans la rue? Oui, bien sûr, je l'ai vu, mais quelles sont vos prétentions? Je ne pense pas être quelqu'un de prétentieux, mais après... Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous rappelle. Alors, trouver du boulot, pour moi, ça va être compliqué, mais j'ai beaucoup l'espoir à cette idée que cette émission va ouvrir des portes. Voilà, CV Street, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de mettre le logo de votre société, là, juste ici, en gros, quoi, bien vite. Je m'appelle Brahim, j'ai 24 ans, et j'aimerais travailler dans la sécurité. Ah ben, les CV de racaille, ça ramène pas de sponsors. Quoi? Des CV de racaille? Tu commences vraiment à me faire chier. Hein. Putain, et pourtant, l'idée, elle était bonne au départ. On se refait à la Star Academy de l'emploi. Ça a aucun sens ce qu'on est en train de faire, aucun sens. Et toi, t'en as fait quoi? La télé à la con. Moi, j'ai une affiche aussi. Une affiche avec ma tronche dessus. L'important, c'est vraiment de les écouter. C'est tout ce qu'ils demandent. Un peu de respect en tant qu'être humain. Les gens, ils te regardent dans la rue? Les gens me regardent pas. Non, les gens, ils me regardent plus. Je me suis dit qu'on pourrait faire une campagne. Je suis arabe, tu me recrutes. C'est pas mal, j'aime beaucoup ça. Je suis arabe et handicapé, est-ce que tu me recrutes? Je suis arabe, homo et handicapé, est-ce que tu me recrutes?